Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc là je viens de vous filmer la vidéo avec Cupshi. Il est actuellement 16h, il fait quasiment nuit. J'ai dû allumer la lumière du plafonnier, what the fuck. Donc là il y a pas mal de choses à ranger, enfin voilà, j'ai pas mal de petits papiers à ranger, etc. Donc il y a un gros bordel dans le salon. Pas mal de petites choses à nettoyer aussi, genre mon salon c'est le gros bordel, je vous avoue. Avec les colis, les choses que j'avais reçues, etc. Les choses que je dois retourner, les choses que je dois prendre en photo pour Vinted, etc. C'est un peu galère, je vous avoue, le salon c'est Bagdad. Donc je vais le ranger et je dois détendre mon linge et je dois remettre une lessive à sécher. Donc il y a pas mal de choses à faire, donc voilà, c'est parti. Ah oui, et je vous ai pas raconté, mais je me suis fait super mal à la main au boulot. Genre c'était hier dimanche, je voulais aller aux toilettes et quand j'ai voulu éteindre la lumière des toilettes, la porte s'est refermée sur ma main. Donc j'ai dû encaisser pendant 6 heures de la main gauche, c'était assez sympathique. J'en pouvais plus. Donc voilà, en gros, ma main elle est toute bleue, elle est gonflée, y a rien de cassé, j'arrive à bouger mes doigts. Alors qu'hier je n'y arrivais pas. J'arrive pas à prendre des choses dans mes mains, donc j'ai du mal. Ça me fait mal en fait, dès que j'appuie, ma main commence à trembler, donc voilà. Je suis pas allée voir un médecin parce que vous connaissez ma passion pour les médecins. Je préfère aller voir un pharmacien, ils sont un peu plus compétents que les médecins. J'ai mis un bandage pour soutenir un peu ma main et voilà quoi, donc on va attaquer le ménage avec une main. Ça va être sympathique hein. Je viens de faire le canapé, j'ai un peu mal à la main, je vous avoue, parce qu'avec l'aspirateur, faut y aller. Ça fait vraiment mal. En fait, ça fait mal au niveau des nerfs, des tendons et tout. Je pense que c'est là où ça a bien souffert. Parce que la porte, elle a coupé ma main en deux. Genre, il y a eu une énorme trace. Genre là, tu vois, tout là, il y a la trace de la porte et c'est tout bleu. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Oui, il faut que j'ai lancé une machine, je sais pas si vous l'entendez. Je vais nettoyer ma table basse, parce qu'elle est un peu sale quand même. Je vais passer un coup d'aspi par terre. Je vais essayer de ranger tout ce qui est un peu par terre. Le bureau de mon conjoint, je vais le laisser en bordel parce que c'est son bordel. J'en ai marre de passer derrière lui. Je vous ai pas montré toutes les dernières trouvailles que j'ai faites et tout. Oh, je sais pas si je le fais maintenant dans ce cas. Là en fait j'ai pas mal de cartons à côté. Parce qu'en fait j'ai des produits que j'ai achetés sur Beauté Privée. Faut que je vous fasse un petit haul. Donc je pense que je vous ferai un haul avec tout ce que j'ai acheté dernièrement sur AliExpress, etc. Sur Beauté Privée. Enfin là j'ai juste fait une petite commande. Enfin une petite... Non, mais c'est pour mes cheveux en fait. Donc je sais pas ce que vous en pensez avec mes cheveux. Ça fait une semaine que j'utilise les produits chez Airburst. La boîte elle se présente comme ça. Ça fait une semaine ouais, que j'utilise les shampoings. Donc je les ai utilisés deux fois les shampoings. Et les compléments alimentaires. Oups là. Je les utilise tous les jours, deux fois par jour. Je les ai pas mal vidés. Comme vous pouvez le voir, et ils sont vachement bons. Je les ai pas pris aujourd'hui, je vais les prendre. Ils sont vachement bons, enfin c'est pas dégueulasse à prendre. Enfin, en plus vous me connaissez, moi les médicaments ça fait 15 000. Si c'est dégueulasse je prends pas, tu vois. Et là c'est comme un bonbon à la fraise, à la framboise, enfin c'est bon. Alors moi je vous avoue que j'ai fait la photo avant et j'ai vu l'état de mes cheveux, genre ils étaient roux. Mes cheveux étaient roux sur la photo. Donc j'espère qu'ils deviennent pas roux en vrai parce que je déteste le roux. Ça me va pas trop, moi j'aime bien quand c'est chocolat, quand c'est marron, tu vois. Ah, je vous ai pas dit aussi, j'ai reçu la convocation pour la conciliation avec le salon de coiffure. C'est le 13 février, donc j'espère qu'ils seront là. S'ils sont pas là, ça ira directement au tribunal. Mais j'espère qu'ils seront là, comme ça ils pourront voir la teinte de mes cheveux. Après, mes cheveux sont vachement améliorés. J'ai utilisé une crème à la coco. Oufissime, mes cheveux étaient tout doux et ils sont beaucoup plus doux que d'habitude. Je sais pas si vous vous souvenez, ici... Genre là tout était vraiment vraiment bien cramé, genre c'était de la paille. Là c'est un peu plus doux que avant. Mais je vois qu'il y a mes cheveux qui ont quand même un peu cassé parce que... Mais là c'est pas à la même hauteur, enfin vous voyez. Donc voilà, il y a quelques petits défauts. Mais en fait j'attends d'aller chez le coiffeur. D'abord avoir mon entretien pour que les coiffeuses voient que j'ai pas fait une coloration sur toute ma tête la dernière fois. J'ai fait juste sur le haut et leur montrer un peu l'état de mes cheveux, voilà. Et dès qu'elles auront vu, enfin dès que j'ai passé mon entretien, eh bien j'irai chez le coiffeur je pense, redevenir comme ceci en fait, parce que
Franchement, j'étais dégoûtée du blond. Vraiment, je suis trop deg. Donc j'irai chez le coiffeur pour faire et une coupe. Donc couper, je pense... Ouais, couper là. C'est pour ça que je veux voir avec les compléments alimentaires si mes cheveux vont pousser pour pouvoir les recouper après. Mais j'aimerais couper au moins tout ça, quoi. Pour enlever encore un maximum de cramé et recouvrir ce blond, en fait, que je n'aime plus, en fait. Je trouve que ça... En plus, avec le côté bicolore, j'aime pas. Quand c'est lisse, j'aime pas. Donc, ouais, c'est pas ouf. Donc là, mes cheveux sont gras. Je vais faire des soins et tout à l'heure. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme soin. Et voilà. Donc là, il faut que je finisse. Il faut que je fasse le linge. Je nettoie la table basse. Et je range un peu le salon. J'essaie de faire en sorte qu'on arrive à vivre un peu dans ce salon. Donc là je viens de faire le linge, ça fait vachement vide sans le truc à linge. En fait mon copain il a mis le linge pour qu'il sèche devant la fenêtre. Ça prend beaucoup trop de place et on voit pas la jolie décoration que j'ai faite. Donc moi je vais la remettre à l'entrée hein, comme c'était avant. Et donc là en fait je dois appeler la fac puisque la semaine dernière j'avais appelé pour qu'on fasse une équivalence parce que j'ai du droit privé ce semestre là. Et c'est bon j'ai déjà validé le droit privé... en L1 droit, donc j'avais pas envie de me retaper ce droit privé là. Donc j'avais demandé la semaine dernière si je pouvais avoir une équivalence. On m'avait dit oui, j'ai envoyé tous les papiers nécessaires. Et là j'appelle parce que j'ai toujours pas eu de nouvelles. Donc la fille elle m'a dit ok, je vais regarder, donc appelez-moi d'ici une heure. Donc là ça fait une heure, donc je vais la rappeler. Bon, et bien comme d'habitude, l'administration ne sait rien. Bon, t'es gentille, hein, la fille au téléphone. Donc je dois envoyer un mail directement au directeur administratif. Ça me fatigue, genre ça fait une semaine que ça dure. Et ok, t'as plusieurs personnes, mais genre, mon mail était comme évaporé, tu vois. Genre, on a regardé, mais en fait, on a pas traité le dossier. Ça m'énerve, ce genre de choses. Bon, bref, j'ai envoyé le mail à ce monsieur, en espérant qu'il me réponde rapidement, puisque j'ai pas envie de me taper tous les TD à 8h le vendredi de droit privé. Ça serait cool que je n'y assiste pas, parce que je n'en peux plus du droit privé, hein, c'est trop le droit privé, je ne peux plus, je connais le cours, je pourrais même faire cours tellement que je connais ce droit privé, je sais ce qu'ils vont dire. J'ai pas du tout envie de refaire cette matière là, je l'ai validée à 12,5, je veux avoir mon 12,5 en L1 gestion, voilà tout simplement. Bon allez, je m'occupe de ça et je reprends juste après. Bon, je viens de passer un petit coup d'aspi, je vous avoue que j'ai un peu mal à la main, donc je pense que je vais m'arrêter au niveau du ménage, je voulais faire la vaisselle mais là c'est pas possible. J'ai ouvert un peu parce que j'ai hyper chaud, genre je sais pas, je me sens pas bien. Genre j'ai chaud, j'ai froid, je sens que j'ai fait un malaise, alors je prends du sucre. Donc je pense que je vais me faire un petit peu à manger pour que mon organisme soit un peu plus au top. Je vais pas mettre la serpillière parce que demain je vais faire le terrarium. Il est temps de le faire parce que là ça fait quand même pas mal de temps que... Il prend ses aises, je sais pas si vous vous souvenez de la gueule qu'il avait au début. Genre c'était tout petit au début ça, hein. Je savais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Donc faut que je le refasse, faut que j'enlève la terre et la mousse etc. Donc j'en ai racheté, donc je vous montrerai ça demain. Donc là en fait sur les côtés là, je mets tous les choses que je dois vous montrer. Genre pour des hauls ou des colis que je dois envoyer etc. Donc tout ça je le mets sur le côté, ça se voit pas trop avec le canapé. Cette valise là, j'aimerais bien... prendre en photo les vêtements, sauf que là il fait quasiment nuit donc ça ne sert strictement à rien, il est même pas 17h, c'est génial, il n'y a plus de lumière. Donc ça je le ferai quand j'aurai du temps, mais c'est vrai que ça me saoule quoi, ça prend de la place dans l'appartement. Je voulais faire ça rapidement mais en fait ça traîne un peu donc ça me saoule. Donc voilà, je vais me faire une petite soupe miso, je vais ensuite après, dès que le linge est prêt, je vais le mettre à sécher, je vais refaire une machine. Donc pour faire la soupe miso, moi j'utilise ça comme...
comme marque, c'est la marque Hikari Miso. Il y avait moins 60% sur cette marque-là pour le deuxième acheté. C'est super facile en fait à faire. Donc en fait, tu mets ça et ça dans ton bol, plus 160 ml d'eau bouillante et c'est prêt. Et c'est vraiment super bon. Là, comme ça, on se dit, oh, ça a l'air un peu dégueu et tout, mais c'est hyper bon. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ça, ça coûte 3 euros et quelques. Déjà là, on respire un peu plus. Bon là, c'est encore un peu le bordel. Mais on respire un peu plus, genre sans l'étendoir. Je sais pas pourquoi il l'avait mis là, en fait. Voilà mon petit repas. Donc là, j'ai pris un petit yaourt au chocolat. J'ai pris du pamplemousse et la soupe miso. J'ai regardé un petit truc à la télé. J'ai pas trop bossé aujourd'hui. J'avais cours ce matin et tout. Mais j'y suis pas allée parce que c'est le cours où j'ai déjà le cours en PDF et que j'ai déjà surligné. Je sais pas si vous vous souvenez. Je l'avais fait dans un vlog. Donc ça, je l'ai relu et tout. Enfin, je comprends. Voilà, mais c'est pas le genre de cours que je vais apprendre à l'avance pour les partiels. Je vais l'apprendre, je pense, une semaine à deux semaines avant les partiels parce que c'est un cours qui est facile à comprendre. Donc voilà, je préfère plus focaliser sur les TD. Mais là aujourd'hui, j'ai voulu avoir un petit jour off parce que le week-end, j'ai pas de jour off. Je travaille à Truffaut, donc j'ai pas de jour de repos la semaine. Je n'ai jamais de jour de repos. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre un peu de temps pour moi aujourd'hui. En plus, là, je suis pas trop bien parce que c'est le premier jour des règles, donc ça fait mal au ventre et les hormones sont à fond derrière moi là. Et dès que j'ai fini de manger, je vais travailler sur l'iPad. Ah oui, et j'ai fini la bougie. Celle-ci, je vous avais dit qu'elle sentait pas grand-chose. Donc là, je l'ai fini. En fait, elle s'allume plus. Donc ça, je vais la jeter et je vais en mettre une autre. Mais alors laquelle? On va peut-être mettre celle-là, la grosse. Hop, comme ça, dès qu'elle sera finie, ça me fera un peu de place. Voilà, on va l'allumer. Voilà. Et elle sent grave bon. Genre là, je le sens d'ici. Mais je l'avais déjà allumée, je crois. Bah oui, j'avais déjà allumé, que je raconte. Allumer les petites lumières. Voilà. Là. Là. Voilà. Eh, on n'est pas bien comme ça? C'est pas trop cocooning là? Vous ne voyez plus trop. Mais là, je vais aller faire la vaisselle. J'ai mangé mon. Parce que j'avais à manger. Je vais faire la vaisselle parce qu'il y en a un peu beaucoup là à faire. Et ensuite, je vais mettre le linge à sécher puisque la lessive est en train de se terminer. Donc voilà. Là, en fait, on avait. Je sais pas si j'avais montré. Non, je vous avais pas montré. On a mis une guirlande tout autour du lit. Enfin, tout autour, au-dessus du bureau de mon copain. C'est une bande LED Xiaomi, elle est pas chère du tout. C'est à 20 et quelques euros, alors que celle de chez Philips coûtait 65 euros, il me semblait. Il fallait racheter un truc en plus. Donc là, celui-ci, on est vraiment content. En plus, ça change de lumière et tout, enfin, c'est sympa. Donc ouais, ouais, je vais faire la vaisselle. Vaisselle propre, ça y est, machine finie. Je vais aller, avant de mettre la machine à sécher, me faire des petits soins. Surtout pour mes cheveux, parce que là, il faut vraiment les soigner, les pauvres, là, ils sont dans un état... Ça me saoule. Ça me saoule vraiment beaucoup. Donc on va faire ça. Je vous pose, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, hop, sur ma pompe à savon. Hein. Donc ce que j'utilise en ce moment comme masque pour les cheveux, j'utilise ça. Je l'ai acheté sur Beauté PV, c'est Hello Nature, masque à l'huile de coco, un truc comme ça. En fait, l'huile de coco, normalement, ça jaunit le blond. Mais je m'en bats les couilles en fait que ça jaunisse le blond du moment que ça les répare mes cheveux. Voilà, sinon de base j'utilise de l'Olaplex. Ou sinon j'utilise ça comme masque, donc c'est la marque le Série Expert. Mais là je vais utiliser celui-là, Olaplex, et ce masque-là. Donc ça j'en mets quand même pas mal. Hein. Genre là j'ai fait quand même une utilisation, j'ai vidé un 1/8 du pot. J'en mets genre ça c'est juste pour ce côté-là. Donc j'en mets vraiment beaucoup. Mais j'ai l'impression quoi que mes cheveux deviennent roux. Je vous jure, quand mon copain il a pris en photo mes cheveux, j'étais toute rousse, j'étais trop moche, c'était tout cramé et tout. Donc je suis hyper contente de ce masque, j'en ai acheté pas mal de masques de cette marque là sur Beauté Privée, en raison de l'efficacité de celui-ci, et je vais vous en parler bientôt dans un haul, mais trop contente de ce masque. Donc je vais mettre l'Olaplex. Donc l'Olaplex c'est assez cher, super cher comme produit. À ce qui paraît, ça répare les cheveux. Moi, j'avais payé en fait ce produit-là quand j'ai voulu faire ma décoloration. Donc, j'avais payé plus de 170 euros pour les soins avec ce produit-là. Donc, je trouve que les prix sont abusés parce que ça coûte 26 euros. Ils ont juste mis deux doses. Enfin bref, je pense que je me suis pas mal fait arnaquer dans ce salon de coiffure. D'habitude, j'ai un bonnet, vous savez, un bonnet avec des cœurs et tout, genre ce que j'avais acheté à Primark. Et ça permet de chauffer un peu et que le produit agisse.
Mais là, comme je filme, je vais pas essayer de trop me ridiculiser. Enfin, vous comprenez. Hein. C'est pas ma salle de bain parce qu'il y a un sink qui pend, il y a des serviettes qui pendent. C'est un peu là, c'est un peu n'importe quoi. On va retirer ça tout de même. Hein, et le poser par terre. Donc pour me démaquiller, j'utilise celui-ci. C'est le baume qui démaquille. C'est super bien, c'est la marque Agatha. Sinon, je prends celui-ci, c'est une huile démaquillante. Je vais plutôt prendre ce baume vu que j'ai pas mal de maquillage. En fait, ça se présente comme ça. Ça, de toute façon, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo favori produits coréens. Maintenant, je ne mets que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo, ça s'affichera dans le petit. C'est mes 10 favoris au niveau des soins coréens. Donc n'hésitez pas à aller la voir la vidéo. Et donc, bah, j'applique comme ça sur la peau. Et ça se transforme en eau. C'est pas du tout comme une huile, c'est pas du tout gras. C'est vraiment très frais. Et ça que j'ai beaucoup aimé avec ce produit-ci, c'est que ça démaquille vraiment super bien. Et en plus, ça hydrate hyper bien la peau. Enfin vraiment, j'ai aucun problème avec les produits coréens. Ma peau, elle est beaucoup plus hydratée, beaucoup plus éclatante. Franchement, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si ça vous intéresse. Même enlevé au niveau des yeux, il n'y a aucun souci là-dessus. Après le mascara, moi j'ai mis du waterproof là aujourd'hui, donc je pourrais pas le faire avec ce produit-là. Il faudra le faire au coton, malheureusement ça enlève pas trop bien le waterproof. Et après, bah, j'ai plus qu'à rincer. Bon, je vous montre le résultat juste après. Me voilà démaquillée, j'ai une tête d'opossum. Trop mignon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est utiliser une lotion. Alors, j'alterne les différentes lotions. Alors, soit je mets celle-ci, c'est celle aromatique avec la rose. Là, ici, ça sent super bon. Soit je mets celle-là, c'est plus pour quand j'ai un peu plus de boutons, je suis en période de règles. Soit, enfin ça, de toute façon, je le mets tous les matins, celui-là. Donc, en fait, j'alterne avec ces trois lotions. Donc là, ce soir, je vais plutôt mettre... celle-là, vu que je suis en période de règles et que j'ai pas envie d'avoir trop de boutons. Donc c'est Christian Lenard aromatisé de Tiare. Et ça sent vraiment super bon. Enfin, j'adore. J'adore, voilà. C'est très très bien. Moi j'aime bien, c'est frais, c'est... Enfin, j'aime bien, voilà. Donc ça permet de bien nettoyer en profondeur. Parce que lors du démaquillage, j'y reste toujours des petits résidus de make-up. Le produit ne passe pas partout. Il y a toujours des petits résidus à chaque fois. Au niveau des racines de cheveux, hein, ça c'est toujours le même problème. C'est là où on a plus de boutons. Regardez, voilà. Je viens de faire au niveau des racines et voilà. Il y a toujours des petits résidus. On passe pas très bien et tout. Et vraiment, enfin moi j'aime bien cette petite potion. Masque purifiant anti-brillance de Clinique. On va faire ça. Faut que je le finisse. Donc, et vu que j'ai encore un gros tube. Bon, on va faire ça et on va se le rincer 5 minutes après. Bon, je viens de mettre le linge à sécher. Et en fait, il y avait mon plaid qui était mal lavé. Donc je vais le relaver. J'ai mis du vanish pour enlever les taches. Et je vais laver celui-ci pendant en même temps. Ça fera une paire de coups. J'espère que ça va bien se laver. Je vais mettre à 60 degrés comme ça. Ça, je suis sûre que ça va bien se laver, que ça va enlever les bactéries. Et je mets, vous savez, ce petit vanish là que j'avais acheté à Costco. Je vous mettrai la petite vidéo juste là. Donc je mets environ une cup comme ça là. Quand je mets du blanc et quand c'est taché. Mais là, c'est pas parti correctement. Je suis déçue. Bon, voilà, il est 18h36. J'ai du mal à parler parce qu'il y a mon masque qui se fige. Je me suis fait un petit thé. J'ai mis ma petite soucoupe qui vient de chez Kenchio. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le bruit de la machine à laver. J'ai enlevé mon masque à l'argile. J'ai rincé et tout. J'ai nettoyé avec mon gant de crin. Je vais faire un masque, un sheet mask là cette fois-ci. Comme ma peau, elle est bien purifiée, mes pores sont bien ouverts. Je vais mettre ce masque là, c'est la marque Suris, c'est la marque coréenne dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo en fait, produit favori coréen. Donc c'est un masque en fait qui va te permettre de t'hydrater la peau au maximum et c'est vraiment un truc de malade, c'est vraiment ouf leur produit. Donc moi j'utilise que ça maintenant et je trouve que ma peau va beaucoup mieux. Regardez, je suis en période de règles. J'ai pas beaucoup de boutons. Je continue cette routine que j'ai avec leurs produits coréens. J'ai fait énormément de tri, ça je vous ai pas raconté. Mais je vais vous raconter ça dans une autre vidéo. Mais j'ai fait énormément de tri et j'ai donné 10 kilos de make-up et de soins à mes collègues de travail. Je peux vous dire qu'elles étaient contentes. Elles sont sorties avec un gros sac de soins et de make-up. Donc si elles passent par là un jour, coucou. Et là, on ressemble à rien du tout. Après, l'odeur, elle est pas ouf, tu vois. Ce que j'ai, mais ça hydrate vraiment super bien. Ça va me requinquer un petit peu et on va se mater
une petite série. Donc là, il y a mon copain qui vient de finir le boulot. Je pense qu'il a fini vers 20h15. Donc il va pas tarder, je pense, d'ici 20 minutes, il va arriver. Donc là, j'ai la peau toute hydratée. Elle est vraiment éclatante. Vous pouvez voir, elle brille tellement qu'elle est en bonne santé. Enfin, j'ai bien hydraté. Donc tout à l'heure, je vais aller me prendre ma petite douche, me rincer les cheveux, me laver, etc. avec les produits de chez Airburst parce que je suis en train de les tester, comme je vous ai dit. Pendant un mois, je les teste et après, bah, je vous donne mon avis. Je vais vous montrer l'avant, après. Donc à voir en fait si ça marche bien. Mais en tout cas, il y a une chose qui est vachement bien, c'est que je ne me gratte plus le cuir chevelu. Là pendant... depuis que j'ai fait ma coloration, je me grattais énormément le cuir chevelu. Et depuis que j'utilise ce shampoing là, je me gratte plus du tout. Genre ça me démange plus. Donc je sais pas si mes autres shampoings étaient trop agressifs pour mes cheveux, mais celui-ci je pense qu'il est un peu plus doux. Pourtant j'ai regardé les shampoings, la composition des shampoings que j'utilisais, il n'y avait pas de choses dont j'étais allergique, donc je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était trop agressif, mais je ne me gratte plus du tout, donc ça c'est cool. Et mes cheveux sont beaucoup plus souples et beaucoup plus brillants après ce shampoing là, donc à voir sur la durée ce que ça donne. Donc ce soir ce que je vais faire à manger, je sais pas trop, d'habitude je m'aventure pas dans la cuisine parce que je me fais toujours engueuler par mon copain parce que je sais pas faire à manger. Donc je vais faire un truc sûr, c'est ce que ma soeur m'a montré, j'aime beaucoup franchement, c'est la première fois que j'en mangeais là, chez ma soeur. C'est des poireaux cuits avec de la crème et des lardons. Elle m'a fait découvrir ça et j'ai trop aimé. Tu vois, ça va pas prendre beaucoup de temps, je pense. C'est juste couper des poireaux, mettre des lardons, je mets peut-être des champignons dedans. Et je vais faire cuire tout ça. En tout cas, cette bougie, elle sent vraiment super bon. J'ai rien à dire là-dessus, l'odeur est vraiment super bien. C'est Holiday Shimmer. C'est Noël scintillant, donc vraiment elles sont trop trop bons. Et cette bougie là est à moins 50% chez City Déco à Belle Épine. Ils ont fait toutes les éditions de Noël de Yankee Candle à moins 50%, donc c'est vraiment une bonne affaire. Il est arrivé, il a dit que j'avais bien fait les choses. Poireaux, des champignons, deux trucs de lardons. Donc ça, faut bien veiller à enlever les trucs comme ça. Parce que si tu laisses les choses sur la barquette là, et ben ça va pas être trié au recyclage. Donc autant les enlever soi-même et que ça soit trié. Mon âge, je sais compter jusqu'à bichette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bichette. Ouais. Ouais. Bichette. Eh, les conneries de Patrick, hein? Ça sert, hein, les conneries de Patrick. C'est pas ma vidéo, je l'aimerais en petit. Ah. C'est bon. C'est bon. Bye, ticket. Je crois qu'il y en a un qui a envie de manger. Je viens de rentrer dans la pièce et ça sent vraiment super bon. Je suis trop contente. Bon, bah voilà notre petit plat. On mange dans un bol avec une petite fourchette. Lardons, champignons, poireaux et basta avec de la crème. Franchement c'est super bon, ma soeur elle m'a montré ça, merci beaucoup à ma soeur de m'avoir montré ça. Et voilà, on va se régaler. Je sais pas ce qu'on va regarder à la télé. Il est peut-être marié au premier regard, tiens, ce genre de conneries. Allez hop, on va regarder ça. On a fini la saison 2 de Sex Education, c'était vraiment bien. Et j'étais choquée parce que les acteurs là, la fille Maeve et Raïm sont français, je savais pas du tout, donc je suis super contente de d'avoir su. Ils parlent super bien anglais, franchement, j'admire beaucoup ce genre de personnes en fait. Qui parlent bien anglais, qui font... Enfin, je sais pas, j'aime bien. Sinon, des fois, on se regarde sur Netflix, Zumbo, c'est des trucs de bouffe en fait. C'est comme Le Meilleur Pâtissier, mais version niveau plus élevé, tu vois. Donc voilà, donc on va regarder ça. En tout cas, je vais vous laisser, parce que je pense que ce vlog sera assez long. Je pense qu'il est un peu trop long. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, une journée avec moi à la maison, vous aura plu. Ça change un peu d'une journée avec moi à la fac. Donc voilà, quand je vais pas à la fac, ce que je fais de mes journées, je fais essentiellement du ménage, du ménage. Là, j'ai pas travaillé aujourd'hui, tout simplement parce que, enfin, il me fallait avoir une petite journée off.
On a tous besoin d'une petite journée off où on ne travaille pas. Donc bah, moi c'est le lundi. Après le week-end, après le taf. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Comme ça, ça me permet de voir si vous en voulez d'autres. Et comme ça, je peux adapter, etc. en fonction. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les vidéos qui vont sortir bientôt. Puisque je sors plus de vidéos en ce moment. D'habitude, j'en sortais 2 par semaine. Là, j'essaie d'en sortir 3 par semaine. Donc j'espère que ça vous plaît. Que c'est des petites vidéos ou des grandes vidéos. Voilà, j'essaie d'en sortir un petit peu plus. Et puis bah voilà, je vais vous mettre d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. N'hésitez pas à les regarder. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.